Oui, après, non, on leur fait, je suis assez d'accord. Bonjour, c'est Rick Branchu, je suis ferronnier de l'art au 10 Impasse Simon Ducrot à Pézenas depuis plus de 20 ans maintenant, et je suis aussi également président de l'association des créateurs et fabricants de Pézenas qui regroupe tous les métiers d'art de la ville. Et à côté de moi, vous avez Nathalie Lozano qui va se présenter. Bonjour, donc moi c'est Nathalie Lozano, donc ferronnière depuis peu. J'ai eu mon diplôme donc en 2021, donc ça fait seulement depuis 2021 que je pratique vraiment la ferronnerie. Et donc c'est Cédric Branchu donc, qui m'a formée par le biais d'IMARA, l'Institut des métiers d'art. Et du coup on a décidé de partager l'atelier. Donc voilà, on a chacun notre petite entreprise dans ce petit atelier. Allez, donc ce métier de ferronnier, en fait, moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que je le travaillais un petit peu chez moi comme ça en dilettant. Et puis j'ai rencontré sur les journées des portes ouvertes des métiers d'art en 2003. Je lui ai rencontré Lucien Marnet qui était déjà ferronnier à Pézenas. Et donc du coup, j'ai fait des stages chez lui et il m'a vraiment mis le pied à l'étrier parce que c'était une très belle rencontre. Lui, il cherchait quelqu'un et moi, je cherchais quelqu'un aussi pour apprendre le métier. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que je me retrouve à Pézenas et je ne le regrette pas parce que c'est une super ville, très joli écrin pour les métiers d'art. Bien, moi, c'est un concours de circonstances. C'est qu'en fait, j'ai été prise à l'Institut des métiers d'art de Revel, donc IMARA. Et du coup, ils travaillent avec des formateurs, dont Cédric, et donc ils m'ont envoyé ici à Pézenas. Et au départ, j'étais là pour un stage, et en fait, finalement, ben, je suis restée ici. Création, conception. Et la magie. Et la magie, ouais. C'est conception, ça. Création, magie. Magie, ouais. Bon, c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien faire de la formation et plus me concentrer sur de la création. Pour ma part, je pense plus me concentrer sur la création, déco, objets, même mobilier, rester dans l'artistique de toute façon, parce que justement ce côté magique avec le fer, c'est ça, c'est de pouvoir rendre possible l'impossible. Parce qu'on est trop fort. Parce qu'on fait du sur-mesure, on est à l'écoute de nos clients au final, et puis c'est vrai que le cadre de l'impasse s'y prête très bien, et on a quand même cette chance d'avoir une forge en plein centre-ville, et du coup ça étonne et ça questionne, et ça nous amène sur de très jolies rencontres. Tendinite. Détérioration de l'ossature. Les gestes du métier, c'est vraiment typique, l'enclume, le marteau et taper sur la matière pour la mener là où on le souhaite. Et la soudure un peu peut-être. Et la soudure effectivement. Ouais. Alors, ça nous arrive de travailler en collaboration avec d'autres artisans créateurs de Pézenas. Et du coup, je vous conseille la très belle Eva Luca.